Averroès est né à Cordoue en 1126. Il meurt en exil au Maroc en 1198. Il apparaît, un siècle après Avicenne, comme un autre géant de la pensée universelle. À la fois philosophe et juriste musulman, il a exercé les fonctions de grand cadi, grand juge, aux côtés du sultan Yaqub al-Mansour, dont il fut un proche confident et à la demande duquel il rédigea ses fameux commentaires d'Aristote. Averroès, bien sûr, il est connu comme le commentateur d'Aristote. Il a rendu Aristote intelligible, ce qui n'était pas une mince affaire, mais c'est aussi quelqu'un qui a posé des questions très précises, comme celle du rapport entre religion et philosophie, religion et sagesse dans un espace entièrement dominé par la charia. La solution d'Avicenne, c'est de rendre la philosophie aussi religieuse que possible, de disputer à la religion son territoire et finalement de l'absorber. Averroès refuse cela, parce qu'Averroès vit dans un autre monde, il vit dans le monde almohade, de Al-Andalus au XIIe siècle, il vit dans le cadre d'une réforme politique, religieuse, juridique, non seulement impulsée, comme on dit aujourd'hui, mais même vigoureusement imposée à la société musulmane, aux théologiens et aux juristes par le pouvoir almohade. Et Averroès est un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui intervient dans la sphère du politique et du religieux. Alors il pose la question de savoir si, enfin, le pouvoir religieux, les théologiens, cette classe inutile à ses yeux, qui n'a fait que multiplier les sectes et les hérésies au sein de l'islam, qui a déchiré, dit-il, les écritures et qui a fait entrer dans le monde ce que l'islam eût ignoré sans cela, le fanatisme et l'intolérance. Bon, Averroès affronte cette question de la révélation. Si vraiment le Coran enjoint à tout homme, où qu'il soit, et selon sa capacité, de répondre à cette exigence, connaître à sa manière, selon qu'il en est capable, la vérité. Alors on doit vraiment affronter cette question, est-ce que la philosophie est licite en terre d'islam? Et sa réponse est oui, elle est licite, et elle est non seulement licite, mais elle est obligatoire pour ceux qu'on appelle les philosophes. Alors il faut qu'ils aient une place dans la société. Il n'a pu vivre philosophiquement que parce qu'un pouvoir le lui a permis. Lorsque le pouvoir politique lui retire sa protection, il n'a plus comme choix que l'exil. Le savant Maïmonide entreprend en même temps qu'Averroès un travail parallèle au sien. Il s'attache à penser à l'intérieur de la tradition juive la philosophie et les sciences grecques développées par les Arabes. Le Guide des égarés, son livre fondamental qui traite de la question, a naturellement été écrit en arabe. Maïmonide est, dans le monde juif en tout cas, une des figures les plus célèbres, les plus connues, une figure à la fois rabbinique et scientifique et philosophique. Lorsque le Guide des égarés, qui est un ouvrage théologico-philosophique, autrement dit on y parle de tout, y compris des sciences, lorsque ce guide des égarés est traduit de l'arabe en hébreu, il va donc être accessible au monde et aux lettrés d'expression hébraïque, et on peut dire, sans forcer le trait, que c'est un véritable ébranlement. Si ces savoirs, qui ont une telle puissance de vérité, sont là, les savoirs scientifiques, gréco-arabes et arabes, la philosophie aussi bien que les mathématiques et que l'astronomie, je dirais même dans le cas de Maïmonide, surtout l'astronomie. Ces savoirs existent, ils sont là, ils offrent une formidable puissance de vérité. À nous d'être capables, dit Maïmonide, de saisir le lien qu'ils peuvent proposer entre l'interrogation sur le monde qu'offre la tradition religieuse, dans laquelle il est un des maîtres, et l'interrogation scientifique. Tout son guide des égarés vise à répondre à cette question et à réduire les inquiétudes que pourrait susciter un éventuel conflit entre le monde de la tradition et le monde des sciences. C'est en ce sens que Maïmonide joue un rôle capital, fondamental, pour l'entrée des sciences dans le monde juif. D'Al-Kindi à Averroès,
Au cours des 4 siècles de production philosophique en terre d'islam, s'est ainsi peu à peu affirmée une figure inédite, celle de l'intellectuel. Qu'est-ce qu'un intellectuel? C'est quelqu'un qui a à affronter la question suivante. Est-ce que science et sagesse sont incompatibles? À l'époque d'Ibn Bajjah, à celle d'Ibn Tufayl, à celle d'Ibn Rushd, on peut parler d'intellectuel parce qu'on a affaire à des hommes de science qui maîtrisent véritablement la totalité du savoir scientifique disponible de leur temps. On a affaire à des hommes qui pratiquent ce savoir, qui ne sont pas seulement des érudits, et on a affaire à des gens qui, du même coup, attendent une transformation profonde de leur être individuel, de leur être moral, de leur être spirituel, par cette accumulation des connaissances, par ce travail scientifique. Alors, ils ont en commun cette volonté de non seulement concilier science aristotélicienne la plus dure et sagesse, mais de montrer que l'une conduit à l'autre. La science conduit à la sagesse. Cette figure de l'intellectuel qui ouvre un nouvel espace de liberté à la conscience humaine a devant elle un immense avenir. Mais cet avenir se jouera ailleurs, dans l'université médiévale qui naît en Europe au XIIIe siècle. Au même moment, en terre d'islam, la confrontation historique entre les philosophes et les oulémas prend fin. La parole des philosophes s'est tue en même temps que commençait à basculer le rapport entre le monde musulman et le monde chrétien. À partir du XIIe siècle, un tournant s'opère dans le rapport de force entre l'islam et la chrétienté. Déjà au IXe siècle, pour arracher l'Europe au chaos, Charlemagne a ébauché un empire doté d'une administration unique et relativement pacifiée. Cet empire s'est brisé dès la fin du IXe siècle, sous le choc des invasions successives des Vikings et des Hongrois. Mais les Européens n'y ont pas tout perdu. Ils y ont fait l'expérience de nouvelles formes d'organisation. Ils ont appris à fortifier leurs villes, à concentrer leurs richesses et à accroître leur productivité. Un réseau de liens religieux et personnels se met en place, qui enserre la société de bas en haut. Depuis le paysan jusqu'au seigneur, au prince, à l'évêque et au roi, on prête serment à plus puissant que soi en échange de sa protection. Cette hiérarchie d'allégeance enchevêtrée typique de la féodalité instaure un ordre social relativement stable, au sommet duquel le pape a le pouvoir de sacrer les rois. Pour éviter le retour des conflits incessants du passé, les seigneurs et les évêques promulguent la paix de Dieu, destiné à mettre fin à la guerre entre chrétiens. À la fin du XIe siècle, la papauté trouve ainsi pour la première fois une situation qui favorise la poursuite de son objectif, affirmer son emprise politique sur un monde catholique unifié. Elle va dans cette perspective appeler les chrétiens de toutes conditions à se mobiliser contre l'islam. L'islam n'a jamais cessé de représenter pour les papes un défi historique. Mais jusqu'alors, ces derniers n'ont pu songer à se mesurer aux califes qui disposaient sur eux d'une supériorité matérielle et technique écrasante. C'est cette donne qui a commencé à changer.
Le monde musulman se morcelle. Dès le Xe siècle, face au califat abbasside de Bagdad, se dressait non seulement le califat Omeyyade à Cordoue, mais aussi un troisième califat instauré au Caire par la dynastie des Fatimides. Ce nouveau centre de pouvoir provoquait au sein de l'islam un ébranlement majeur, parce qu'il se réclamait d'une doctrine schismatique, le chiisme, qui militait activement contre la doctrine sunnite en vigueur à Bagdad comme à Cordoue. De fait, le Caire n'allait pas tarder à se rapprocher des villes européennes émergentes, telles que Gênes et Venise, créant entre l'Ouest et l'Est de l'islam une cassure dont la chrétienté allait grandement profiter. En Andalousie, le califat de Cordoue s'effondre au début du XIe siècle, et le pouvoir passe aux mains de petits rois qui entrent en guerre les uns contre les autres. Ils appelleront successivement à leur secours deux dynasties berbères venues du Maroc, les Almoravides au XIe siècle, puis leurs adversaires Almohades au XIIe siècle. Mais les princes espagnols tirent parti des flottements dans le camp musulman. En 1085, le castillan Alphonse VI parvient à s'emparer de Tolède. Presque en même temps, Roger Ier achève de conquérir la Sicile. À l'est, le califat de Bagdad est déchiré par des rivalités ethniques et dogmatiques qui favorisent l'émergence de principautés plus ou moins autonomes. Les califes font de plus en plus appel à des armées de mercenaires turcs. Et le véritable pouvoir finit par échoir en 1055 à l'une d'elles, celle des Turcs Seldjoukides. Or, ces derniers rendent l'accès au lieu saint de Jérusalem de plus en plus difficile aux chrétiens. C'est le prétexte que le pape Urbain II va invoquer pour déclencher, 10 ans après la prise de Tolède, la première croisade. De 1096 à 1099, après une première vague de pèlerins mal équipés qui se font massacrer, quatre armées parties de France et d'Italie livrent de violents combats contre les Turcs Seldjoukides, avant de s'emparer d'Édesse, d'Antioche et enfin de Jérusalem. C'est la naissance des États latins d'Orient. Leur survie justifiera de nombreuses croisades à venir. On assiste alors à un extraordinaire paradoxe historique. C'est au moment où l'Occident chrétien se sent assez fort pour affronter les musulmans par les armes qu'il éprouve le besoin de s'approprier leur richesse intellectuelle. Tolède jouera à cet égard un rôle décisif. Première des grandes cités andalouses à être conquise par les catholiques, elle apparaît à ces derniers comme un lieu idéal de transmission des savoirs arabes à l'Europe latine. Il y a là en effet une concentration exceptionnelle de chrétiens et de juifs parlant arabe. Il y a aussi de riches bibliothèques contenant des textes de tous ordres qui n'attendent que l'occasion d'être traduits. Jusque-là, l'islam andalou aura surtout fasciné l'Europe à distance, par sa richesse, par ses artisanats de luxe, par certaines inventions techniques sophistiquées. Seuls quelques esprits d'avant-garde avaient mis l'accent sur les trésors scientifiques et philosophiques de cette culture. Au Xe siècle, Gerbert d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II, a traduit de l'arabe certains textes mathématiques. Au XIe siècle, Constantin l'Africain a traduit à son tour des ouvrages de médecine. Au début du XIIe siècle, Pedro Alfonso, médecin du roi d'Angleterre Henri Ier, fait comprendre à la cour l'intérêt de traduire les textes scientifiques des Arabes. Des savants anglais, aussi bien qu'italiens et espagnols, vont alors rejoindre à Tolède les savants déjà sur place. Les nouvelles autorités catholiques de la ville favorisent cet effort de traduction. Au
Au XIIe siècle, le terme même de traduction signifie « passage de l'arabe au latin ». Des voies, V-O-I-E-S, par lesquelles l'héritage arabe s'est diffusé dans l'Europe au Moyen-Âge. Elles sont aussi diverses qu'inattendues ou imprévisibles. On peut parler à ce moment-là de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, qui va jouer un rôle tout à fait important parce qu'aux alentours de 1140, il rencontre deux auteurs chrétiens, Hermann de Carinthie, donc d'origine allemande, Robert de Chester, d'origine latine, à qui il commande la traduction du Coran, qui sera achevée en 1143. Mais ces mêmes Hermann et Robert vont être associés à la plupart des grandes œuvres scientifiques qui vont être traduites de l'arabe en latin dans la première moitié du XIIe siècle. Des éléments d'Euclide, certaines œuvres astronomiques et d'autres choses de ce genre. Vous vous déplacez un petit peu plus vers l'ouest et vous arrivez à Barcelone, où nous avons une collaboration judéo-chrétienne pour l'adaptation d'œuvres arabes. C'est là qu'intervient un personnage dont j'aimerais peut-être parler un petit peu plus. C'est un auteur juif, c'est un savant juif qui s'appelle Abraham Bahria. C'est dans le comté de Barcelone, nous sommes à la fin du 11e, au début du 12e, qu'il va rédiger la plus grande partie de son œuvre, enfin celle que l'on connaît, et je ne parle que des œuvres scientifiques, qui consiste en une série d'ouvrages destinés à aider les juifs du nord des Pyrénées, qui ne savent plus l'arabe, à accéder aux rudiments de la science arabe. C'est extrêmement intéressant de voir que dans la plupart de ses préfaces d'ouvrages scientifiques, il répète « Je me suis servi des ouvrages arabes, j'ai adapté les ouvrages arabes, j'ai traduit les ouvrages arabes. » Un jour, il écrit un calendrier juif, et il dit « Si j'avais pu trouver dans les livres dont je disposais en Espagne un ouvrage arabe sur cette question, le calendrier juif, je m'en serais servi et je n'aurais rien ajouté de mon propre fait. » Bon, bien entendu, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ce dont il parle, mais je souligne cet aspect pour montrer à ses débuts, nous sommes au tout début du XIIe siècle, l'extrême déférence que manifeste cet Abraham Bahria à l'égard de la science qu'il a reçue et qu'il a nourrie. En 1146, en Palestine, après la chute du comté d'Édesse, le pape Eugène III déclenche une nouvelle croisade. Y participent cette fois le roi de France Louis VII et l'empereur germanique Conrad III. Mais le bruit et la fureur des combats qui se déroulent en Terre Sainte ne ralentissent en rien les travaux de traduction engagés en Andalousie. Au contraire, pour aller de l'avant, l'Europe s'approprie le savoir qu'elle a découvert chez les Arabes. Le plus grand, le plus connu en tout cas des traducteurs latins du XIIe siècle, Gérard de Crémone, comme son nom l'indique, il vient de Crémone en Italie, apprend qu'à Tolède, là-bas, chez les morts, il y a des choses qui lui permettraient de comprendre l'astronomie. Il se rend à Tolède, il apprend l'arabe, il y passe des dizaines d'années, et on lui attribue, vers le dernier quart du XIIe siècle, 60 à 70 traductions de l'arabe en latin. Or, on ne prête qu'aux riches, il n'a probablement pas traduit tout, et certains de ses élèves, à l'ombre de ce géant, ont perdu leur nom. Mais il a traduit. Il a traduit Ptolémée, il a traduit Euclide, il a traduit la médecine, il a traduit la philosophie. Il n'est pas le seul, mais je donne cet exemple, et c'est le moment peut-être le plus important au XIIe siècle de la pénétration des sciences arabes dans le monde latin à travers ses ouvrages.